demander cette fois. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon, des petits cœurs, des petits pouces, si jamais vous m'entendez, si ça fonctionne? Est-ce que c'est bon? Ah, je vois Héloïse qui me met un petit pouce, ça doit être bon. Super. Coucou Marie-Christine, Nathalie, Fabienne, Héloïse, Simone, bienvenue. Bienvenue, bonjour Lynn. Ça y est, une pluie, que dis-je, une avalanche de petits cœurs et de petits pouces s'abat sur le live. Merci beaucoup, désolée pour ce petit bug. Il y a toujours, je ne sais pas pourquoi, parfois le logiciel, une fois qu'il est éteint, repart de zéro. Donc il faudra vraiment que je fasse attention à ça à l'avenir et j'en suis parfaitement désolée. Merci de m'avoir prévenue. Donc je vous disais, mais vous ne m'entendiez pas et j'en suis fort désolée. D'abord, je vous souhaite bienvenue à toutes et à tous. Mimi, Cathy, Fafa, Muriel, toutes celles que j'ai aperçues au début, bienvenue. Voilà, aujourd'hui, nous sommes donc le 30 mai et nous n'avons pas l'habitude de nous retrouver le lundi après-midi. Vous le savez, d'habitude, nous, c'est le mercredi. Mais depuis donc début mai, vous le savez probablement ou pas d'ailleurs, Stampin' Up a lancé une grande promo incroyable, une promo incroyable, je vous jure, elle est incroyable. Et elle se termine, heureusement que Pascal ne peut pas couper le son, cette promo elle se termine demain. Donc je ne pouvais pas laisser filer le mois de mai comme ça. Sans partager avec vous mon expérience, ma petite histoire concernant mon activité, bien sûr, hein, je ne vais pas vous raconter ma vie depuis que je suis née, hein, aucun intérêt, on est bien d'accord, vous l'aurez compris. Et puis aussi, très très important, répondre à vos interrogations, à vos doutes, aux petites choses auxquelles vous aimeriez avoir des réponses. Et du coup, je vais me faire un plaisir pendant ce live, d'y répondre. Donc, n'hésitez pas, posez vos questions dans les commentaires, d'accord? Aucune question n'est bête, on est bien d'accord. Aucune question n'est bête, ok? Quelle que soit votre interrogation, elle vaut le coup d'être posée, donc aucun souci, d'accord? Que les choses soient bien bien claires, surtout, n'hésitez pas. Ingrid, est-ce que vous avez du son? Dites-moi. Parce que le souci de son, a priori, a été réglé, donc j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à vous déconnecter et à vous reconnecter, parfois ça peut fonctionner. C'est bon, ça a l'air d'aller. Ok. Alors, avant que je commence, si déjà vous avez des petites questions, vous pouvez commencer à les mettre dans le chat, bien sûr, n'hésitez pas. Je vois que parmi les participantes, j'ai quelques-unes de mes filleules qui sont là. D'ailleurs, je leur fais un gros bisou. Elles aussi pourront aussi répondre à vos questions, même si elles sont là que quelques secondes. Voilà. Elles se feront un plaisir de le faire, même après. Si vous regardez la vidéo en replay, c'est pareil, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Je regarderai après, à la fin du live, si jamais j'ai raté quelque chose. Fabienne, tu as du son aussi, donc c'est que ça doit fonctionner. Coucou Joël, comment vas-tu? Coucou Aurore. Alors, commençons par le début pour celles qui viennent par hasard ici sur ce live pour la première fois. Je suis Harmonie Marais et j'ai débuté mon activité chez Stampin' Up en janvier 2020, pratiquement par hasard. Oui, ma fafa. Ma filleule de cœur, on est bien d'accord. Coucou Corinne, comment ça va? Pratiquement par hasard, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il y a 10 ans, ou un petit peu plus que ça d'ailleurs, j'ai commencé le scrap il y a 12 ou 15 ans, et puis la force des choses, la vie a fait que j'ai fait une longue pause. À l'été 2019, j'ai une amie chère à mon cœur qui m'a demandé de l'aider à faire la déco pour son mariage. Grosse pression, grosse pression, mais ça a quand même eu le mérite de me replonger dans la créativité, dans la création, dans le plaisir de faire des choses pour les gens qu'on aime. Et ça m'a tout de suite repiqué et c'était reparti.
Donc j'ai recommencé à acheter du matériel tranquillement, à refaire des petites créations. Et donc c'est au mois de décembre 2020, non 2019 pardon, que j'ai découvert en fait Stampin' Up, que je ne connaissais absolument pas auparavant. J'avais jamais utilisé aucun des produits. Voilà, mais depuis l'été, comme je m'étais remise dans le scrap et tout ça, j'avais commencé à revoir des vidéos passées de Stampin' Up. Et puis, quand on est accro, on est très très accro, et puis ça va vite, et puis on se dit, ah ouais, le budget, ok. Et puis du coup, je suis tombée sur la vidéo de ma marraine, qui est maintenant ma marraine, au moment de la Celebration. Après en avoir parlé évidemment à la maison, évidemment, eh bien le 3 janvier 2020, je me suis lancée, simplement parce que j'étais une passionnée et que j'avais envie d'acquérir mon matériel un petit peu moins cher. Hein. On est d'accord, ça ne se refuse pas. Pouvoir assouvir sa passion avec des réductions, j'ai envie de vous dire, personne ne peut résister. Donc à l'époque, j'avais eu comme cadeau une mini guillotine, vous savez, la lame là, voilà. Tout un lot de papier design, voilà, c'était un super cadeau. Et puis voilà, vous le savez, hein, dans le cours de l'année, Stampin' Up! Propose des offres. Maintenant, nous avons la chance d'avoir pas une, mais deux Celebrations, donc une en début d'année et une en milieu d'année. Donc la prochaine arrive au mois de juillet. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai commencé tranquillement pour avoir mes produits moins chers et pouvoir m'éclater avec du bon matériel. Parce qu'il n'y a quand même rien de tel que d'avoir du bon papier par exemple et de ne pas avoir du papier qui se déchire à la moindre manipulation notamment. Ça c'était évident. Comme beaucoup, beaucoup, beaucoup de démonstratrices qui ont démarré, ma motivation première était, je viens de vous le dire, les réductions. C'était clair, je l'avais dit à ma marraine. C'est juste pour moi, voilà. Ça aurait pu être tout à fait le cas. J'ai commencé quand même à en parler là où je travaillais à l'époque, à mes collègues, etc. Et du coup, je me suis dit, tiens, on va faire un atelier, ça va être sympa de pouvoir partager cette passion à plusieurs. J'ai donc fait mon premier atelier fin février 2020. Ça a été un moment incroyable. Vraiment, ça a été super, cette connivence avec les personnes qui sont venues. Voilà, j'ai pu leur faire découvrir déjà plein de choses et elles ont vraiment, vraiment accroché. Vous le savez, en 2020, hein, peu de temps après, le confinement nous est tombé dessus. Et donc, les ateliers en présentiel, ah, ça devenait compliqué. Sauf que les personnes qui étaient venues à l'atelier étaient déjà elles aussi bien mordues. Et c'était dommage quand même qu'on ne puisse pas en profiter encore. Donc du coup, eh bien, je me suis dit, forcément, il y a des solutions et on en a trouvé une. On est passé par Zoom et du coup, je leur faisais les ateliers en visio. Voilà. Alors, oh, je vois des commentaires magnifiques de gens très sympathiques. Excusez-moi, je vais faire ce petit blocage. Voilà. Et voilà, ça c'est fait. Alors, n'oubliez pas si vous avez des questions. Posez-les, ça sera avec plaisir. Voyez, j'ai les yeux sur les commentaires, donc pas de problème. Et donc voilà, on a continué les ateliers en visio. Donc le rythme était assez intense puisqu'on se retrouvait tous les samedis après-midi de mémoire. Donc c'était quand même sympa. Et puis, bah, je me suis prise au jeu et je me suis dit, bon, pourquoi pas aller plus loin. Et le temps des lives est arrivé, donc j'ai fait un premier live. Eh bien, vous le savez, hein, il y a 2 ans, on a fêté le centième il y a quelques temps ensemble, et ça a été un super moment, un souvenir qui va rester gravé, ça c'est certain. Les lives ont commencé. Ces derniers temps, il y a pas mal de personnes parmi vous qui me disent, oh, j'ai revu tes premiers lives, t'avais les cheveux super longs, t'étais super gênée. C'était vrai. Mon Dieu, c'était vrai. Voilà, et puis ben voilà, j'ai réussi grâce à vous à faire découvrir ma passion de plus en plus à de plus en plus de monde pour mon plus grand bonheur. Et c'est donc en janvier 2021 que j'ai décidé de faire de l'activité de démonstratrice mon métier principal à 100% uniquement.
Voilà, donc du coup, petite installation. Donc là, chaque semaine, donc je fais mon live dans ce qui est devenu mon petit atelier. C'est tout simplement une pièce qui a été rajoutée dans le garage. Donc on ne peut plus rentrer les voitures, mais j'ai mon petit atelier. Voilà. C'est un petit espace, hein, vous ne pouvez pas spécialement vous en rendre compte là. En gros, 6 mètres carrés. Voilà. Donc on s'adapte avec un grand plan de travail et puis des étagères pour ranger tout le bazar. Et puis, au fil du temps, eh bien, certaines personnes ont eu envie de rejoindre cette aventure avec moi. Et du coup, nous formons maintenant l'équipe des Stamp Lovers. Donc, c'est un nom que nous avons trouvé ensemble. Chacun a proposé des noms différents. Et voilà. Du coup, eh bien, nous sommes les Stamp Lovers. Joël, c'est toi qui m'as décidé à couper mes cheveux. Et ça t'allait très bien aussi, ma bichette. Et du coup, ça m'a aussi permis de rencontrer des personnes aussi incroyables. Parce que oui, j'en ai fait mon métier, mais il y a aussi tout le côté humain qui est derrière ça. Et je pourrais vous en parler des heures, ça c'est certain. J'ai rencontré alors un homme et des femmes, parce que j'ai un homme dans mon équipe, mon cher Crapouillot. Voilà, qui a été baptisé justement par toutes ces belles personnes qui m'entourent. Et des femmes incroyables aussi, qui ont toutes un parcours différent, qui ont des histoires différentes, mais cette passion nous a permis de nous rassembler, d'apprendre à nous connaître, et du coup, on fait vraiment des choses incroyables quand on est réunis. Donc je parle de mon équipe, mais je parle aussi de toutes les amitiés qui se sont créées tout autour de ma passion, de mon métier. Et c'est assez incroyable. Voilà, il faut le vivre pour le comprendre. Mais je vous assure que c'est réel, que c'est quelque chose de concret, de palpable. De vraies amitiés se sont créées et c'est assez incroyable. Même au travers d'un écran, voilà, on peut apprendre à connaître les gens et ensuite faire la démarche de les rencontrer physiquement. C'est ce qui s'est passé pour moi avec plein de personnes. Et en fait, c'est juste incroyable. C'est humainement parlant. Ça apporte énormément. Ça apporte énormément. Je pense que les personnes qui me suivent au quotidien ne vont pas me contredire. Voilà. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin grâce à plein de personnes qui me soutiennent chaque jour, vraiment, à différents niveaux, dans différentes étapes, sur différents éléments de mon activité. Et sans elle, j'en serais pas là aujourd'hui. Je ne vais pas vous citer les choses, comment dirais-je, je n'aime pas forcément me mettre en avant. J'ai simplement réussi à gravir certains échelons, voilà, grâce à toute cette communauté en fait, que ce soit mes collègues démonstratrices, que ce soit mes clientes, mes filleules, les personnes qui m'ont suivi, qui me suivent et qui sont devenues mes amies. Voilà, c'est tout un ensemble de choses. Je n'ai pas réalisé ça uniquement toute seule. Évidemment, ma famille est là derrière, bien sûr. La question ne se pose pas. Donc voilà, cette grande aventure, je la vis au quotidien. Voilà. Chaque jour, cette aventure humaine me porte, me guide, me fait avancer. Me fatigue aussi, mais ça c'est normal. Ça c'est certain. Ça, c'est certain. Voilà. C'est tout ce que cette activité de démonstratrice m'a apporté. Et c'est assez incroyable. Stampin' Up, donc, vous fait une offre incroyable et elle se termine demain soir. Cette offre, vous l'avez vue passer un petit peu partout sur les réseaux. Elle se termine demain. C'est vraiment une des plus belles offres que j'ai vues. Alors, moi, ça fait que 2 ans et demi, hein, on est d'accord. Mais mes collègues qui sont là depuis beaucoup plus longtemps n'en reviennent pas non plus de cette incroyable promo.
Je vous rappelle que en temps normal, toute l'année, vous choisissez pour 175 euros de produits et vous n'en payez que 129. Ça, c'est du 1er janvier au 31 décembre. Tout le temps. Donc, vous pouvez rentrer dans l'équipe à n'importe quel moment de l'année. Mais là, jusqu'à demain soir, en plus de ça, eh bien, Stampin' Up! Vous offre l'équivalent de 81 euros de produits. Ces produits, ce sont les pads Incolor, du papier uni, le papier quadrillé aussi Incolor. Enfin, c'est juste énorme. 81 euros de produits. Je vous assure que à l'époque, s'il y avait eu ça, alors là, je me serais encore moins posé la question que je me la suis posée à ce moment-là, à l'instant T. Ça, c'est clair. Et puis évidemment, quand vous commandez donc tous ces produits-là, eh bien, la livraison, eh bien, elle vous est offerte aussi. Voilà. Je ne sais pas comment je peux vous faire réaliser à quel point c'est juste un truc de fou. Voilà. Bien sûr, lorsque vous devenez démonstratrice, bah vous avez, parce que forcément, vous le savez, il y a toujours le côté administratif, mais qui est largement, largement gérable. Vous remplissez votre agrément. Ce que ça veut dire, c'est simplement vous rentrez vos coordonnées. Voilà. Vos coordonnées postales, votre date de naissance, etc. Et en fait, vous devenez ce que l'on appelle VDI, vendeuse à domicile indépendante. Ça, c'est un statut obligatoire, que vous ayez envie, d'en faire une activité ou non. D'accord? Ça, c'est vraiment la partie, qui est absolument indispensable. Lorsque vous décidez de le faire uniquement pour vous, de ne pas faire de vente, etc., vous ne payez pas d'impôt sur vos propres achats. Par contre, à chacune de vos commandes, eh bien, vous bénéficiez des 20% de réduction. Voilà, à chaque commande, voilà, la question ne se pose pas, quel que soit le montant de votre commande, c'est moins 20% d'office. Donc ça, c'est plutôt pas mal, on est bien d'accord. Surtout pour les passionnés que nous sommes. Ceci étant dit, même les personnes qui démarrent dans la carterie, dans le scrapbooking, qui ne se sentent pas l'âme tout à fait créative, peuvent aussi devenir démonstratrices. Grâce notamment à tous les kits, tout compris, qui sont sortis déjà l'année dernière. Voilà, ils sont en réassort régulièrement. Plusieurs fois dans l'année, on a des nouveaux kits qui arrivent avec, vous savez, absolument tout dedans pour réaliser des cartes, des boîtes, des home déco. Voilà, il y a vraiment tout dedans. Donc, que ce soit pour vous démarrer, apprendre, c'est l'idéal. Si vous voulez en démarrer, en faire une activité, c'est pareil. Voilà, vous pouvez commander vos petits kits, faire des ateliers, tout simplement en ayant absolument tout sous la main. Donc il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous, quel que soit le choix que vous ferez, activité ou juste pour vous, peu importe, il y a plein de possibilités. Alors, je vais faire une petite pause quelques secondes. Est-ce que vous avez, parmi les personnes présentes, est-ce que vous avez des questions sur cette activité ou sur quoi que ce soit d'autre d'ailleurs, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Je vois qu'il y a encore, hop, des indésirables. J'espère que je ne rate pas certains commentaires à cause de ça. Toc, toc, toc. Est-ce que c'est bon? Oui, ça a l'air d'être bon. Alors, voilà. Posez-moi vos questions. Je suis là pour y répondre, quelle qu'elle soit. Le but aujourd'hui étant, était donc de vous expliquer un petit peu plus qui j'étais, mon histoire par rapport à Stampin' Up, et puis vous rappeler que c'était vraiment le moment idéal de rejoindre l'équipe des Stamp Lovers. Voilà, c'est le nom de notre équipe. Nous sommes aujourd'hui, en tout, nous sommes 18 dans l'équipe. Si je ne me trompe pas, oui, nous sommes 18 puisque j'ai des filleules juste en dessous de moi, mais j'ai aussi des filleules qui elles-mêmes ont des filleules. Donc du coup, on a les cousins, les cousines. C'est assez marrant, je dois dire. Ils prennent un malin plaisir à s'appeler comme ça. Alors, toc. Je vois que c'est bon. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de questions.
Bien sûr, s'il y en a parmi vous qui hésitent à poser des questions dans les commentaires, vous pouvez aussi me joindre après, sans aucun souci. Alors, est-ce que tu dois faire des créations et des lives quand tu es démonstratrice? Alors, absolument aucune obligation. D'accord? Lorsque vous devenez démonstratrice, si vous décidez de l'être uniquement pour vous, vous êtes tout à fait libre de le faire uniquement pour vous. À aucun moment, vous n'êtes obligé de faire des ateliers, des lives, des vidéos ou quoi que ce soit. Vous êtes totalement indépendante. Donc évidemment, il y a des règles à respecter quant aux publications, etc. Mais c'est vraiment les seules obligations. D'accord? Le reste, c'est absolument libre. J'ai démarré les lives et les ateliers parce que je le souhaitais, parce que j'avais envie d'en faire une activité. Mais à aucun moment, ça n'a un caractère obligatoire. D'accord? Coucou Martine, ça va ma belle? Coucou Harmonie, venez nous rejoindre. Harmonie est une super marraine, toujours à l'écoute et disponible. Venez, venez. Donc, je vous présente Martine, qui nous a rejoint à la dernière promo. Voilà, ma petite Martine. Alors, moi, j'en ai une, mais tu la connais déjà. Oui, ma petite Joëlle, je le sais, ma bichette. Je le sais. Alors, est-ce que comme Elsa, vous avez vous aussi des questions? Vous voyez, aucune question n'est bête. Surtout, n'hésitez pas. Alors, lorsque vous intégrez l'équipe, du coup, vous êtes invité à rejoindre donc le groupe privé Facebook des Stamp Lovers. Voilà, encore une fois, aucune obligation d'être présente, de communiquer tout le temps. Voilà, c'est un endroit où j'essaye de regrouper en fait un maximum des informations et de les disperser pour que tout le monde ait les bonnes infos. Voilà. Et puis du coup, ça nous permet d'échanger, de se poser des questions si on en a besoin, voilà, de se soutenir, d'être là les uns pour les autres, en fait, tout simplement. Et puis, j'essaye le plus régulièrement possible de faire, tous les mois ou tous les 2 mois, ça dépend des périodes, des Zooms, des petites réunions d'équipe. C'est vrai qu'on est toutes et tous dispersés aux quatre coins de la France. Donc, c'est compliqué de se retrouver, évidemment, tous les mois en présentiel quand on en a qui sont en Normandie, d'autres dans le sud et encore à l'est ou à l'ouest. C'est compliqué, on est bien d'accord. Donc là, c'est là qu'on aime par-dessus tout la technologie, n'est-ce pas? Donc, Zoom est notre meilleur ami à cette occasion. On peut se retrouver et partager ensemble des infos, des mini-formations, des Zooms créatifs aussi, lorsque voilà, certains membres de l'équipe ont envie de tester, par exemple. La dernière fois, j'ai une de mes filleules qui s'est lancée à nous faire un atelier en visio. Donc là, c'était un atelier d'équipe créatif et c'était juste incroyable. Elle a carrément assuré. Donc voilà, plein de choses possibles voilà, selon les choix que l'on fait. Elsa, et est-ce qu'on a un plafond de dépenses à faire tous les mois? Alors, ce n'est pas tous les mois, c'est en fait trimestriel. Chez Stampin' Up, vous le savez, il y a plusieurs pays qui travaillent avec Stampin' Up. Donc, on a les États-Unis, bien sûr, et il y a aussi des pays d'Europe, donc comme la France, par exemple, l'Angleterre, l'Autriche, etc. Afin d'assembler tout ce petit monde, Stampin' Up a créé, entre guillemets, une monnaie universelle que l'on appelle les CSV. Chaque CSV, en fait, sera converti selon les cours de l'euro, du dollar, etc., pour que tout le monde soit logé à la même enseigne. Donc, chaque trimestre, il est demandé de réaliser 300 CSV. Selon donc le cours de l'euro, ça peut tourner autour de 370-375 euros. Donc ça, c'est un montant à faire sur un trimestre. D'accord? Alors, en sachant que Stampin' Up se rend compte quand même que parfois, la vie fait que on peut avoir des difficultés à finir un trimestre, d'accord? Donc, il nous laisse 4 semaines supplémentaires derrière pour essayer d'atteindre cet objectif de 300 CSV, d'accord? Il y a toujours des solutions à trouver. Et puis, si jamais
pour une raison diverse ou variée, quelle qu'elle soit, vous décidez d'arrêter d'être démonstratrice, en fait, vous n'avez pas d'autre, pas de courrier à faire, pas rien. Simplement, vous arrêtez de commander, vous ne faites pas votre chiffre, et au bout de ces 3 mois plus les 4 semaines supplémentaires, eh bien, tout s'arrête. Voilà, vous n'êtes plus démo et c'est terminé. Il n'y a rien d'autre à faire. Bonjour Marjorie, bonjour Muriel, coucou ma petite Marie, bonjour Isabelle. J'espère avoir répondu à ta question, Elsa. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre qui pourrait répondre par avance à vos interrogations? Je sais que effectivement tout ce qui est le côté administratif et des montants à réaliser, voilà, on se pose toujours ce genre de questions. Alors, en fait, c'est tout ce que je fais avec mes 3 amis, présenter les produits, les promos, les projets, et je ne peux pas. Oui, je sais bien, ma bichette, peut-être qu'un jour, on travaillera avec d'autres pays, mais voilà, tout ça, ça prend du temps. Selon toutes les réglementations des différents pays, il faut réussir à mettre tout ça en accord. Et vous le savez, hein, l'administration, c'est toujours quelque chose qui prend énormément de temps. Voilà, surtout quand ça touche au travail et tout ce qui est le côté juridique. Mais ne perdez pas espoir, les pays frontaliers à la France, ne perdez pas espoir. Un jour, je suis sûre que ça viendra. Croisons les doigts en tout cas. Je sais qu'il y en a plein parmi vous qui aimeraient plus que tout rejoindre l'équipe et qui ne peuvent pas le faire. Ça me fend le cœur moi aussi, mais ça n'empêche que ça ne nous a pas empêché de créer de belles relations, d'avoir des belles discussions et de communiquer régulièrement. Voilà, on se console avec ce qu'on a. Voyons le côté positif des choses, n'est-ce pas? Est-ce que je peux quand même faire partie des stamp lovers sans être démo? Ah non, ça ma bichette, je suis sincèrement désolée. Mais je garde ce petit groupe pour mes filleules. Ça ne serait pas juste pour les autres, hein. Bien sûr, c'est vraiment ce groupe-là qui est entièrement dédié aux membres de l'équipe Stampin' Up. J'espère que tu comprendras, ma bichette. Alors, je regarde du coup les commentaires pour être sûre que je ne rate rien. J'espère que je n'ai raté personne. Non, ça a l'air bon. Toc toc. Je file étudier les promos. Pas de problème, ma belle. Je t'en prie. J'étais justement là pour répondre aux questions. Donc c'est avec plaisir si j'ai pu répondre aux tiennes en tout cas. Est-ce qu'il y en a encore parmi vous qui sont sur ce live et qui ont des questions supplémentaires? Je ne voudrais pas vous prendre tout votre temps et devenir barbante. Ce n'est pas le but, on est bien d'accord. N'hésitez pas, de toute façon, je vous le rappelle, le replay, de toute façon, va rester sur ma page, d'accord. Je vais aller régulièrement voir les commentaires pour voir si d'autres personnes ont posé des questions supplémentaires. Et puis, vous pouvez aussi, bien sûr, me joindre par mail ou par téléphone. Vous avez, est-ce que je vais me tromper? Oui, je me trompe. Vous avez ici toutes mes coordonnées, bien sûr, ou sur mon blog, sur ma page. Je pense que normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir me joindre en message privé si vous le souhaitez. Alors, les questions, ça a l'air d'être bon. Je n'en vois pas apparaître. Donc, je regarderai encore une fois pendant les prochaines heures. Donc je ne peux que vous rappeler, surtout, ne ratez pas cette occasion de bénéficier de plus de, oh, de 81 euros de produits offerts, sans parler de ce kit de démarrage, de la livraison offerte. Ça s'arrête demain soir. Donc ne ratez pas cette occasion, surtout si vous avez la moindre hésitation. Posez-moi vos questions, venez en discuter avec moi en direct, mais ne ratez pas cette occasion, c'est juste un truc de fou, je vous assure. Et puis il y a aussi, j'ai oublié de vous dire, il y a aussi plein d'événements qui sont organisés par Stampin' Up, auxquels on peut se rendre, même si on ne fait pas de Stampin' Up son activité. Voilà, On Stage par exemple, qui arrivera bientôt au mois de novembre, où on va pouvoir se retrouver à Vienne.
C'est juste un truc de fou, en fait. Voilà. Et parfois aussi, il y en a on tour dans les villes françaises, etc. Voilà. Plein, plein de choses qui sont incroyables, qui nous permettent de nous retrouver et de passer des bons moments ensemble. En VDI sans faire son métier, il faut le déclarer sur les impôts. Non, pas du tout. Si c'est juste pour toi, si tu es démonstratrice, que tu ne fais pas de vente et que tu ne fais, voilà, tout simplement, que tu ne fais pas de vente, que tu te contentes d'acheter des produits pour toi-même, tu n'as pas de déclaration aux impôts à faire. D'accord? D'autre part, lorsqu'on en fait une activité, Stampin'Up travaille avec un cabinet comptable, d'accord, qui s'occupe justement de faire ces fameuses déclarations. Ok, donc aucun souci pour ça, mais quand c'est uniquement pour vous, pas de déclaration aux impôts. C'est vraiment le côté sympathique de la chose, n'est-ce pas? J'espère avoir répondu à ta question, ma petite Héloïse. Je vérifie une dernière fois quand même, hein, je ne voudrais pas rater bêtement des questions. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Dites-moi, dites-moi. Oui, ok pour toi Héloïse, c'est parfait. Bien. Eh bien écoutez, voilà, je pense que vous avoir dit un maximum de choses. Je vous remercie sincèrement d'avoir été là cet après-midi, de m'avoir accordé votre attention. Voilà. J'espère avoir rassuré certaines personnes parmi vous qui avaient l'air intéressées. Encore une fois, je suis ouverte à la discussion, à l'échange et au contraire, j'aime beaucoup ça. Donc, n'hésitez pas. Et puis, donc, la promo jusqu'à demain soir, avec bien sûr la possibilité de rejoindre l'équipe. Quel que soit le moment de l'année, évidemment. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie sincèrement du fond du cœur pour votre présence. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente après-midi. Prenez bien soin de vous et eh bien de toute façon, on se retrouve mercredi après-midi pour le live créatif qui sera cette semaine, vous l'avez vu, un mini-album. Voilà. Je vous embrasse fort, fort, fort. Merci beaucoup. Ciao, ciao, à bientôt.